Ça va être délicieux. Oups. On sait jamais. Ben oui. Ensuite, on va mettre le couvercle. Et là, on va pouvoir bien mélanger. Alors, on va pouvoir regarder maintenant. Tu vois, ça s'est bien mélangé. Mmh. Oh, comme ça sent bon. T'as vu bon. Ça? Voilà, là, on a tous les ingrédients. Maintenant, on va pouvoir verser tout ça dans un saladier et on va s'occuper de la pâte feuilletée. Alors, là, pareil, je t'ai préparé une petite base de pâte feuilletée. OK, qu'on a ici. On va retourner. Voilà, hop, toute belle. Et là, maintenant, avec l'emporte-pièce en forme de cœur, on va pouvoir découper directement dans la pâte des cœurs. Mmh. Et là, tu appuies très fort, sans bouger. Hein. Faut bien, voilà, bien fort. Ouais, fais voir. Ouais, yeah. Très bien, parfait. Oui, super. Tu t'es cassé les mains? Bah oui. On va faire attention quand même. Regarde, t'as vu? Découpe parfaite. Tu m'en refais encore? On va faire un comme ça ou comment on peut faire? Comme ça, oui. Ouais, comme ça, ça te va? Allez, vas-y, à toi. En pâtisserie, il existe différents types de pâtes. Tu peux donc remplacer la pâte à tarte ordinaire des petits cœurs par de la pâte feuilletée. Elle se compose des mêmes ingrédients, de la farine, du beurre, de l'eau et du sel. La différence va résider dans la préparation. Il faut plus de temps pour préparer une pâte feuilletée. Il faut la baisser, la replier, la mettre au frais et répéter ainsi cette étape. Mais c'est un vrai plaisir à déguster. Tes petits cœurs seront plus légers, aérés et croustillants avec de la pâte feuilletée. Donc là, j'ai mes petits cœurs. Mais avant de s'occuper de les remplir, de mettre du pesto dessus, on va les dorer. Oui, tu vas comprendre pourquoi. Pinceau. Voilà. Donc là, on va casser l'œuf. Je vais t'aider un petit peu. On va séparer les deux moitiés de coquille. Regarde. Là, j'enlève bien. Là, je clarifie l'œuf, ça s'appelle. Séparer le jaune du blanc. Hop. On va bien mélanger. Et après, on va mettre ça. Oui, tout à fait. Ah, on va faire. Alors, le jaune va nous servir de dorure. Et en même temps de colle, parce que nous, on va mettre le pesto ici, et celui-ci va servir de couvercle. On va le refermer avec la deuxième moitié. Regarde, on va peindre, on va faire un petit peu de peinture, juste sur le tour. D'accord. Comme ça, quand on va pouvoir... Non, 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 il n'y a pas besoin. Quand on va refermer avec l'autre, l'œuf va servir de colle. Il va bien coller les deux pattes. Comme ça, on est prêt, et on va pouvoir garnir avec le pesto. Mm-hmm. Comme ceci. On cède les deux cuillères. Ah, on met sur le côté. Ouais, on le met là. Alors par contre, on va pas le mettre trop au bord, parce que sinon on pourra pas venir souder. Au milieu. Et oui, donc on va le mettre quinte comme ça. On va suivre la forme du cœur. Ou c'est blanc. Oui, exactement. T'as tout compris. Allez, vas-y. Hop. Comme ça. Oui. Très bien. Là. Ouais. Allez, encore.